Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon sanctuaire. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un nouveau jeu. Un jeu de rallye que j'ai vraiment adoré de chez adoré. Et qui est Colin McRae Dirt. Le tout premier Dirt, mais ce n'est pas le premier jeu. Colin McRae, c'est d'ailleurs un des derniers qui porte son nom. Malheureusement, qu'il repose en paix, c'est un pilote vraiment légendaire. Et du coup, ce jeu, il est vraiment super cool. Alors bon, je l'avais terminé il y a quelques mois de cela, mais je n'avais toujours pas donné mon avis sur ce jeu sur ma chaîne. Donc voilà. Et j'ai vraiment adoré. En fait, vous avez une carrière de pilote vraiment cool, où vous commencez vraiment en bas de l'échelle. Et vous avez du coup des courses à remporter et du coup vous montez dans le classement au fur et à mesure, vous accédez à d'autres courses encore plus dures, des nouvelles voitures, c'est très diversifié, c'est ça ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on se tape pas tout le temps la même voiture, donc c'est quand même plutôt sympa. Et les courses sont assez variées également. Et en plus je l'ai fait au volant. Et au volant, les sensations avec le retour de force, c'est vraiment génial, quoi. On ressent vraiment bien les sensations quand on est sur la route du bitume ou si on est sur du sable, du gravier, ce genre de choses. Franchement, il n'y a rien à redire au niveau de la conduite. Les sensations sont folles. Donc voilà, celui-là, je vous le recommande énormément. Ce jeu-là, il est top. Et puis en plus il y a une certaine dimension simulation avec avec la durée de vie des parties de votre moteur. Par exemple si vous l'usez trop, et bah du coup votre voiture elle est moins performante après. Et bah forcément si vous prenez des accidents ou des trucs comme ça, bah votre moteur il risque d'être capricieux après. Et si vous avez trop d'accidents, bah au final votre moteur il va lâcher et du coup ça sera la fin de la course parce que votre voiture n'avancera plus. Donc voilà, faut faire très attention à ça. Et puis en plus d'une étape à l'autre, si jamais vous faites une course en plusieurs étapes de checkpoint en rallye, vous gardez les dégâts de l'étape précédente, mais vous avez quand même la possibilité de réparer certaines pièces entre chaque étape. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis en plus sur chaque course on a notre copilote qui nous guide et qui nous donne les virages qu'il y a, l'intensité et tout. Il y a un code du coup oral pour les copilotes et qui fait que nous quand on est habitué à ce genre de code, on sait exactement de quoi ils veulent parler avec les virages, si c'est des épingles, des moyens et tout, parce qu'ils donnent juste des numéros et tout. Et franchement, c'est grave cool, ça force l'immersion. Et voilà, moi j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Donc voilà, du coup, le Colin McRae Dirt, c'est vraiment un jeu à faire si vous êtes fan de rallye. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer sur la licence. Donc bien sûr j'aurai le Dirt 2, le Showdown et le 3 à faire sur Xbox 360. Et puis après je me retrouverai sur la Xbox One où il y aura encore d'autres jeux de rallye à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, clocher, liker, commenter et partager cette vidéo pour un maximum de soutien. Sachez que ça me ferait énormément plaisir. Allez, à plus pour de prochaines vidéos. Amusez-vous bien sur le jeu. Ciao, ciao.